Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une ouverture de courrier concours. C'est un envoi qui me vient de la part de Stéphanie C. Coucou Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Je te remercie beaucoup pour ta participation et je te fais plein de gros bisous. Alors... on a de très jolis washi, c'est pareil, comme hier, comme avant-hier, je me demande si ça annonce le thème. Voilà, des fois oui, des fois non. Là, on a un joli washi doré et des petites têtes de renard, regardez ça comme c'est mignon. Voilà, et là, on retrouve le washi doré et là, des sapins aux couleurs de l'automne. Alors, hop. Je me munis de mon coupe-papier. Je penserai toujours à toi, ma petite fée Martine. Hop, elle se moque de moi. Mais gentiment, hein. Elle est mignonne. Hop là, voilà. Et voilà. Alors, je me mets sur le côté pour ne pas faire de bêtises au cas où. Oh, c'est beau. Oh, mais que vois-je? Alors, bon, on ne voit pas, je suis bien sur le côté. Oh, c'est trop beau. Donc, je vous le dis, ça annonce bien le thème. Alors ça doit être la carte, oui. Ah, génial! Alors, je vous montre la carte. Donc, elle est superbe. On a donc une base blanche avec un premier papier de matage vert. Ensuite, un très joli papier déco, on dirait des roses, des fleurs, des feuilles séchées, des roses. Là, regardez, une petite tête de rose, là, et après des feuilles séchées. J'imagine qu'il y a d'autres roses, mais qu'elles sont cachées sous les papiers, quoi. Alors là, il y a un sticker, je pense que c'est un sticker de chez Action monté en die cut. Have a lovely day, c'est très joli. Et regardez ça, le petit renard, oh là là. Donc il y a des demi-perles, il y a des strass, un joli ruban orange, un petit cœur comme ça. Là c'est pareil, elle a remis son petit renard avec sa découpe, là, son cadre feuillage qu'elle a rematé par rapport aux autres papiers. C'est super joli. Bon, alors je lis ta carte. D'accord. Oh, c'est gentil. Je peux vous lire parce que y a rien de privé. Alors, coucou Sabella, c'est avec un énorme plaisir que je participe à ton concours anniversaire de ta chaîne. N'ayant pas pu participer au précédent, je t'ai fait un PBA. C'est mon tout premier et il me paraissait normal de te le dédier. Oh, c'est adorable, adorable. Il n'est peut-être pas parfait, mais j'aime beaucoup ce format et j'en referai d'autres. Ah bah écoute, je suis super contente. Je souhaite un très joyeux anniversaire à ta chaîne et surtout, n'arrête pas. Tu nous fais du bien avec ta positivité. Merci beaucoup Stéphanie, je te fais plein de gros bisous, oh là là. Donc je vous montre, il y a une petite pochette là dans la carte et il y a le premier PBA de Stéphanie. Oh génial, génial, génial. Donc elle a fait, elle a fait un fond avec des washi, j'ai déjà fait un PBA comme ça. Alors je ne sais pas si vous avez été beaucoup à les recevoir, c'était à la période des vœux de début d'année. J'avais eu pas mal de courriers à faire et j'avais fait ça, j'avais fait des petits PBA comme ça avec le washi. Je trouve ça vraiment génial parce que nos washi sont super beaux. Ça fume un peu noir là, non? Et, ouais, on a des super beaux washi, regardez, ça fait un fond magnifique. Warm Hugs, un petit lapin. J'adore les petits lapins. On retrouve donc le washi arbre aux couleurs de l'automne. Et là, on retrouve le petit renard. Voilà. Et donc, elle a fait un décor. Regardez, je ne sais pas si c'est un tamponnage, si ça doit être un tamponnage tout entier avec l'arbre donc qui est dépourvu de ses feuilles. Hein. Les feuilles s'envolent au vent. Il y en a qui sont par terre. Et il y a les grosses citrouilles. J'adore. Alors, Stéphanie C, je peux vous montrer l'arrière. Stéphanie C, septembre 2022, PBA. Et donc, elle s'est servie, vous voyez, de la découpe. Ici, voilà, pour faire son tag. C'est parfait, il est très très beau. L'automne est le deuxième printemps où chaque feuille est une fleur. Albert Camus. Oh, c'est joli ça comme phrase.
Ah, j'aime beaucoup. L'automne est un deuxième printemps où chaque feuille est une fleur. C'est très très joli. Merci beaucoup. Il est super beau ton PBA. Hein. Et je suis contente de savoir que t'en feras d'autres. Merci de m'avoir envoyé ton tout premier PBA. Je suis très touchée. Hop. Ensuite, parce que c'est pas fini. Il y a donc, je sais pas ce que c'est Warm, mon téléphone. Je vais chercher mon téléphone, je reviens tout de suite. Donc, Warm, ça veut dire chaleureux, ça veut dire câlin chaleureux avec Hug. Donc, hein, bah, Hugs, je savais, Hug, ou je sais pas comment on le dit, attendez voir. Non, c'est là. Je vais y arriver. Ou pas. Ou pas. Bon, ça ne veut pas fonctionner. Mais en tout cas, ça veut dire câlin chaleureux. Et ben moi aussi, je te fais un câlin chaleureux. Même deux, même plein. Il y a des S. Plein de câlins chaleureux. J'adore ça. Donc là, on a un petit livret. Pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est. Avec un belly band. Toujours très automnal. J'adore la bougie, la cannelle, les étoiles anisées. Et là, on dirait des fruits secs. Et encore des roses, on dirait, ouais. Peut-être des petites baies, c'est très joli, j'aime beaucoup regarder. Hop. Et donc, qu'avons-nous? Oh! Oh, génial! Oh, super! Oh, ça va être bon, ça. Thé orange cannelle. Oh! Et là, c'est pêche et thé noir. Oh, super! Alors ça, jamais goûté. À la pêche et au thé noir et à cannelle orange, je sais déjà que je vais adorer. Oh, c'est trop mignon, regardez. Un petit support comme ça, c'est beau. Hein? Et c'est superbement bien fait. Ah, les papiers sont magnifiques. Très joli choix de papier, j'aime beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup, Stéphanie. Oh, bah, je sais ce que je prendrai au goûter aujourd'hui, voilà. Et pour finir, donc une dernière création magnifique, magnifique, magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Elle va rejoindre mon pot à... Eh ben, j'arrive pas à retrouver le mot. Eh ben, saperlipopette. Ah! Donc, on a une paille et puis on a une rosace. Enfin, voilà, vous voyez, une paille altérée, une paille décorée. J'adore, j'adore. Donc on a derrière, c'est décoré, c'est le derrière que j'ai vu d'abord, mais bon, je savais d'avance ce que c'était, évidemment. Hein. Il n'y avait pas trop de mystère, mais j'adore ça. Donc, warmest thanks. Bon, ben, j'ai gardé le téléphone, ça tombe bien. À défaut de vouloir me parler, il va bien vouloir faire la traduction. Ça dit merci le plus chaleureux. C'est plein de chaleur. Merci beaucoup. Mais c'est ça, hein, l'automne, on commence à se remettre. Vous voyez, mon petit pull, alors ça c'est mon petit pull d'atelier. Hein, vous le verrez souvent, je pense, à l'automne-hiver. Et sending. Je vais finir par les retenir, les mots à force. Hein. Oui. Sending, c'est. Envoi en cours. Donc, warm hug. Cours d'anglais aujourd'hui. C'est un cours d'anglais. Voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est bizarre, le volume ne veut pas fonctionner. Ça veut dire envoyer des câlins chaleureux. C'est plein de tendresse, comme on voit. J'adore. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, on a une première grande découpe ronde avec un très joli bord dentelle. Ensuite, elle a collé des feuillages comme ça. Ceux-là, je les aime beaucoup. Ils en vendaient chez Action à un moment donné. De toute façon, ils viennent de chez Action et ils sont vraiment très jolis. Ensuite, une deuxième découpe plus petite, pareil, avec le contour dentelle dans un autre papier. Et une troisième. Et là, on a des petits tamponnages qu'elle a mis en couleur. Ça, c'est un sticker montant die-cut de chez Action. Là, on retrouve des petits tamponnages glands. C'est trop mignon. Et sa paille altérée, donc dans les tons orange, hein, pour aller avec les couleurs de l'automne. Et un petit nœud tout mignon jaune. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Merci beaucoup, beaucoup, Stéphanie. C'est une merveille, tout ça. J'adore. Voilà. Bon, ben, je vais sortir les tisanes.
Je vais les garder près de moi pour en prendre déjà une à mon goûter aujourd'hui. Et je pense que je prendrai l'autre demain. Voilà. Alors, à savoir là, par laquelle je vais commencer, je vais faire au pif parce que je ne connais pas la pêche et le thé noir. Donc, je suis curieuse. Et je sais que je vais adorer orange cannelle parce que je connais et j'adore, j'adore, j'adore. Mais je m'en achète jamais. Mais par contre, c'est vrai que j'y pense jamais. Eh bien, écoute, Stéphanie, je te remercie beaucoup, beaucoup pour ta participation. J'adore ton envoi. Je te fais plein, plein de gros bisous. Et voilà, à très bientôt. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous. Oh oui, plein de gros câlins chaleureux à vous toutes. Voilà. Et puis, s'il y a des garçons qui passent par là aussi, pareil. Plein de gros câlins chaleureux à tout le monde. Et je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.